Toi qui fais ton anniversaire aujourd'hui, je te souhaite un joyeux et heureux anniversaire. Pour ton une année de plus à ton âge, que Dieu te donne ce que tu n'as pas obtenu avant ton âge d'aujourd'hui. Que Dieu t'ajoute encore d'autres années sur ta vie. Que tu vieillisses plus que tes parents et tes arrière-grands-parents. Que ton une année de plus à ton âge soit une opportunité pour toi d'accéder à ta destinée. Si tu tenais à concevoir un projet, fais-le et réussis à cela. Si tu avais un projet non accompli, que ce dernier soit réalisé à ton âge actuel. Tu peux fêter les jours de ton anniversaire. On peut chanter pour toi, pour te rendre heureux ou heureuse. Tu peux recevoir des cadeaux pour en garder le souvenir. Tu peux recevoir des souhaits comme nous venons de le faire pour toi. Mais n'oublie pas que le jour qu'arrive ton anniversaire, c'est un jour de réflexion. Car grandir n'est pas une grâce ni un privilège, mais une responsabilité. Et plus tu grandis, plus plusieurs responsabilités te collent sans te laisser de l'espace pour respirer ni pour te détendre. Que le jour de ton anniversaire soit pour toi une journée de réflexion et de méditation. Réfléchis, encore une fois, réfléchis, car c'est un pas de plus vers ta mort. Et quand la mort viendra, seras-tu content ou contente de partir? Es-tu en paix avec toi-même ou avec les autres? Car la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. As-tu découvert ta vraie raison de ton existence? Sinon, toute ta vie sur la terre ne sera qu'une forme d'échec. As-tu réalisé tout ce qu'il fallait par rapport à ta mission sur la terre ou à tes responsabilités? Que bénéficiera la génération future de ton passage sur la terre? Est-ce qu'il y aura-t-il une génération qui enviera marcher sur tes traces? Est-ce que ta famille sentira un vide quand tu partiras ou elle sera heureuse de te voir partir? Quelle sera l'attitude de tes amis quand tu partiras? Seront-ils dans la joie ou dans la tristesse de te voir partir? C'est le jour de ton anniversaire. Sois dans la joie, mais réfléchis. Encore une fois, joyeux anniversaire et que Dieu te bénisse. C'est le serviteur, pasteur Daniel Ebondo, le champion.